Salut à tous, on reprend là où on en était. Nouvel épisode sur Assassin's Creed Valhalla et on va aller parler à Cassandra tout de suite. Oh, je parle peut-être à l'autre gredin là. Hey, bienvenue. Ah. Oui, non, c'est juste. Je dois prendre congé. Adieu. C'est juste que oui. Je suis un con. Tu as pris ton temps? Je commençais à me demander si cette histoire de dieu et de cauchemar ne t'avait pas fait fuir. J'ai dit que je viendrais. Alors, grande chasseuse d'artefacts, as-tu trouvé celui-là aussi facilement que tu le disais? Pas vraiment, mais après avoir examiné cette île, je sais où aller. Je vais t'y mener, si tu es prête. Va pour cette prochaine étape. Je vois pas pourquoi on serait Cette pas prêt. expédition en commun commence à m'agacer. De mémoire d'homme, trouver un artefact oublié depuis une éternité n'a jamais été facile. Oui, enfin. Calme-toi, normalement tu es morte. J'imagine que cela fait longtemps que tu recherches ces artefacts. Oui, un certain temps. Pourquoi une telle destinée? C'est assez étrange, mais mes vacances sont mal tournées. Oula. Je suis attaqué par quoi? Ah, on est pris en chasse par des loups. Ah. Toujours en métro, ça? Putain. Ah, il est dans le museau. Voilà. Voilà. C'est assez étrange, mais mes vacances sont mal tournées. Et depuis, cela est devenu comme une vocation, en quelque sorte. Et que ferons-nous exactement de cet artefact lorsque nous l'aurons trouvé? Je l'emporterai loin de cette île pour le mettre en lieu sûr. Là où personne ne pourra utiliser son pouvoir à mauvais escient. Son ouais. pouvoir? Alors c'est une sorte d'arme. En de mauvaises mains? Oui. Une arme qui ne doit jamais être employée. Une arme dont personne ne se sert? Voilà bien le discours de quelqu'un de trop faible pour savoir en assumer la maîtrise. Je comprends. Ah ben voilà, au final. Cet ensemble de pierres va nous rapprocher de l'artefact. En avance, trop en avance. Je crois que c'est une sorte d'énigme. Bien sûr que c'en est une. Puisque tu as l'air de savoir jouer avec les pierres, vas-y. Ah ouais, faut résoudre l'énigme. Oh là, attention. Attends, les contours de Libat, comme commenté par un esprit impérieux, affaibli par le jeûne et la contrition. Enfin, je suis sûr qu'il s'agit de l'esprit des Néphilim, une certitude en moi, ce sont les auteurs de... De toute façon, je l'avais déjà lu. Il y a des années, ce sont eux qui s'adressent à moi aujourd'hui, ce sont leurs paroles qui marquent mon âme au fer rouge, née dans la boue et les déjections, purifiée dans des eaux froides, drapée dans le linceul de l'amour qui vient, rappelle-toi la douleur et le désespoir intérieur. Oui, ben. Frérot, hein. Je suis pas devin, tu as capté. Après, si c'est comme ça, si on m'indique le chemin, moi je veux bien. Ah non, c'est pas ça. Si, il faut que je monte. Étais-je un précurseur? Non, attends. Non, faut pas se synchroniser. Ah ouais. Ah ouais, casse les couilles ça un peu. Résoudre le mystère des pierres érigées. Frère, je capte rien à ton histoire de pierre. Attends, peut-être qu'en mettant les... Et bail, tiens, en alignant, non? Prenons de la hauteur. Non. Bon, je sais pas. Je ne comprends pas. Bon, il y a bien un moment, ils vont bien se rendre compte que je suis en triso. Attends. Comme si je personne. Une question de point de vue pour moi, c'est en prenant de la hauteur, mais. Mais par rapport à quoi? Par rapport à où? Tu veux me donner une. Un petit indice? Alors attends. Cherchons, cherchons. Collectons les informations. J'ai l'impression que ça ne va pas, mais je sens que la découverte de secret qui va se laisser pire.
Quelle qu'il soit. Ouais. Moi j'ai pas l'impression. J'ai l'impression de faire un peu. De m'élever davantage, donc il faut que je monte en haut là, c'est ça? J'aurais dû apporter plus d'eau, mais. Ah oui, mais ça c'est parce qu'il a, il a soif. Hein. Attends. Non. C'est pas un bail farfelu comme ça. Hein. Alors, c'est l'arbre. Peut-être. Faut que je monte. Faut que je monte sur l'arbre. Dans l'arbre maison. Oh, probablement pas ça. J'allais dire là-bas, j'ai l'impression qu'il fait, je fais, il y en a partout. attends. Ah ouais, casse les reins ça. Ah ouais, c'est pas. C'est pas facile. Elle est dure l'énigme. Faudrait peut-être. Je vais monter sur toutes les pierres. Attends. Qu'est-ce que c'est? Je suis con comme une limite. Ah ouais. Ah, c'est pas simple, tu as capté. Oh là, on voit un truc. Un truc qui se dessine. Ah ouais, non mais c'est un plomb. Attends, non. Une croix, une croix. Un pic, non. Pas ça. C'est pas ça le but de l'énigme. Ah, c'est quoi cette merde? Je comprends pas, attends. Observons bien les choses. Déjà, ils viennent d'où ce bruit là? Je comprends Zoulette, hein. Ah, vraiment. Je capte Chi, hein. Je suis peut-être con comme une oie, mais. Enfin, c'est même pas peut-être, c'est sûrement ça. Voir, c'est que je cherche trop compliqué, mais. Ça m'a parlé de prendre de la hauteur, mais je veux bien avoir de la suite dans les idées, mais attends. Toujours pas, hein.
Mais encore? Comment ça va te lever davantage? Qui est ceci, ça? Allez, bouge de là, allez voir, s'il te plaît. Facilite-moi la vie. Tu serais gré. Hop. Oh, je l'ai. Oh oui. Oh oui, je vais branler ma longue bite là. Oh oui. Oh, je suis un génie. Il aura fallu 45 minutes pour résoudre ça. Ah là 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 là, putain, c'est beau. Ah, j'avais pas vu du tout, j'avais pas fait gaffe du tout à cette caisse de merde. Ah putain, fallait que j'appuie sur une touche pour revenir. Super, moi j'attendais que ça se passe automatiquement. Je ne vois rien. Ça ressemble à l'île de Sky, mais avec une série de symboles. Oh, tu veux dire... Non, ce serait alors... une carte? Je voulais garder les choses simples, pour toi. Bon, quels sont ces symboles? Il y a plusieurs triangles. Et une croix qui n'est pas très loin d'ici. Qu'est-ce qu'on attend? Une croix, ça doit être là. Allez, hein. À la chasse aux artefacts. Viens là, Fenrir. Et sinon, tu passes tes journées à attaquer les femmes que tu ne connais pas dans les cimetières ou tu fais autre chose? Je veille sur les miens. Nous avons une colonie, Ravenstorp. Je suis une désexuelle aussi, si jamais. Ça fait tellement longtemps que je voyage seule. Tu parles comme si... Mais quel âge as-tu, au fait? Plus que tu ne l'imagines. Mais tout le monde me dit que je fais très jeune. Mais encore? T'as quoi? T'as la trentaine? Il est très beau, cet oiseau, au-dessus de toi. Elle s'appelle Sinine. J'ai eu un oiseau, il y a très longtemps. Un aigle du nom d'Icaros. Je préfère les corbeaux. Les aigles sont trop... divins? Voyants. Ah ouais, là. Chavani, c'est une vitesse folle, Cassandra, dis-moi. Allez, c'est moi le plus rapide, ouais. Allez, lèche-moi. Attends, oula. Je suis toujours plus rapide. Allez. Ouh, dommage. Oulala, là là, c'est quoi? Ouais, je suis désolé, mais... J'aurais préféré voir Alexios, quoi. Mais bon. Je suis un peu décontenancé par les événements. Wesh. Je suis chez moi. Oh. Père de toute chose. Tu ne dis plus rien. Attends. Tu n'es pas encore sur le point de m'envoyer une hache à la tête. Non, mais je n'aime pas briser le silence pour rien comme toi. Tant mieux. Ce combat m'a épuisé. Je n'ai pas envie de recommencer ça tout de suite. Tu t'es bien défendu toi aussi, tu sais. Serait-ce... Attention. Un compliment. Lâche qui fait plaisir. Bon, on va se sortir la petite torche ici, non?
Toi, tu dandines, mais tu vas pas bien vite, hein, Cassandra. Excusez-moi de te le dire. Oh, de la manite, tu mouches. Pour mes futurs défonces. Il n'y a rien ici. Tiens-toi là. Pourquoi ? Tu n'as pas confiance. Fais au moins semblant, ça ira plus vite. T'inquiète, hein, je fais confiance. Se placer où indique Cassandra. Ok. Pile sur le milieu. Comment savais-tu que... J'ai beaucoup d'entraînement. Une autre embuscade. Ils doivent être attirés par le temple. Oula, au moins, ils sont persévérants. Oula. 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 Je suis dans les boues, je me bouffe chaud du mien. Est-ce qu'il parle ta langue? Arrête de poser des questions et bats-toi! Oh là! Je suis dans les boules! Oh là! Hop, hop! Hop, hop! Hop, hop! Hop, tiens, ça piétine des dégâts ici. Oh, il a pris les dégâts automatiques de ma parade, c'est pas mal ça. J'ai déjà vu cela. Il va falloir des éclats, des clés, et les placer sur ce socle. Et cela devrait ouvrir... Non, il faut qu'on parle. Les gens qui nous ont attaqués, était-ce ta langue qu'ils parlaient? Je te l'ai déjà dit, l'artefact les a rendus fous. Cassandra! Eivor, quand vas-tu comprendre que je suis là pour vous aider? Tu ne me caches rien, peut-être, mais... C'est la vérité. Mais ce n'est pas par hasard que ces gens, ici, parlaient ta langue. Crash. Il est possible que mon arrivée sur l'île de Skye... et pu activer les pouvoirs de l'artefact. Mais ce n'est pas certain. Et même si c'est le cas, c'est une raison de plus pour que je l'emporte au loin. Non, c'est surtout une raison pour que tu partes et que je l'emporte moi-même. Tu en as assez fait. Je n'ai pas confiance en toi, Cassandra. Tu ne sais pas à quoi tu as affaire. Tu as besoin de mon aide. Je sais parfaitement ce que je dois faire. Et si ces hommes en ont après toi, continuer seul sera beaucoup plus facile pour moi. Eivor, je t'en prie! Les pouvoirs de cet artefact dépassent tout ce que tu connais! Rien n'est trop puissant pour moi. Et puis je suis sûre que je ferai meilleur usage de cette arme que toi. Oh! Très bien! Je t'ai assez vu de toute manière. Tu es impossible! Trop d'arrogance, Eivor! Bon, je suis Eivor. Et cela te perdra! Si je veux ouvrir la porte, bon. Je vais devoir trouver ces éclats. Allez, au travail. Ah, il faut que je trouve des éclats en plus. Il faut qu'on se fasse chier comme ça là. Ok. On peut pas retourner sur l'île principale? Parce que là, je t'avoue que moi ça me. ça me. bon. Ah ouais, mais c'est. On quitte après, mais. Moi ce truc on va se le faire. C'est que moi les trucs d'aller chercher des éclats de la peau de mes couilles au bord d'une falaise, ça me brise un peu les couilles quoi. On est là pour faire des assassinats, on est là pour du combat, on n'est pas là pour aller chercher pour ramasser les crottes de toute la populace. Ça va être sous la flotte, ça en plus. Putain, en plus, les anciens dieux, quoi. Ils pouvaient pas les réunir à peu près tous au même endroit. Ça les fait enculer, quoi. Désolé, l'ami. Tu n'as pas souffert. Tu n'as pas souffert. L'accès à cet endroit est interdit. Voilà déjà, tu vois.
là. Aide-moi, deviens mes yeux. Par Freya, qu'est-ce que ça veut dire? Ta gueule. Alors. Rassembler les éclats. Il y en a un qui est censé être par là, non? Je pense qu'il est dans la zone, hein, mais il va être dans un des coffres, je pense. Bon, si c'est un truc comme ça, ça va alors. Ça me peut louper. Toi, t'es ma chose. Sache-le. Dans la nuque. Viens l'ami. Amigo. Quand même. Il a failli me faire douter. Comment ça, toi tu me vois toi? T'es la pire des races toi. Oui, c'est... Les mecs, c'est pas des enfants de cœur. Les enfants. On vous a déjà dit, quand vous jouez avec papa, il y a des risques. Papa est plus fort que vous. Malotru, malandring. Oh, en plus c'est un Rald à la belle chevelure. Allez. Je t'offrirai un shampoing rouge de doux. Pain de doux, Farouk. Voilà. Bien fait. Je te prie. Il y a encore un truc en dessous. Oh, il est tout haut. Il y a le truc. On collecte. Ce doit être l'un des voilà. Éclats. L'un de ceux que je dois placer sur le socle. Ouais, du coup, on continue la quête d'Alexios, entre guillemets. Enfin, quelque chose bah, du coup de Cassandra, mais ouais, non, lui il est en dessous. Mais... Allez, you can do it. Allez. Oh, un peu d'opale. Ça fait des semaines que les ouvriers ne peuvent apporter une rêve. Étrange, impossible à prévoir. Allez. Oula, des belles caméras en plus, hein. Alors, où est-ce qu'on doit aller?
sur cette putain d'île. Ah ouais. Ça ne facilite pas le boulot. On va se TP, on va pas se faire chier. On va aller faire les deux. Les deux à côté là, mais après, ouais, moi ça me fait chier de faire tout ça d'affilée quoi. Genre, on va voir comment c'est, mais bah, même si c'était des campements comme ça, ça fait un peu chier. Il n'y a pas trop de. Si je récupérais des artefacts, je ferais ça tout seul. Hein. Du coup, c'est lequel qu'il faut que j'active. Ah, nice. Oh, nice, super. Génial. Vachement bien fait. Ça me change rien. Bon, on va aller faire celui qui a 700 mètres. Oh. Non. Non. Oh non. Je suis l'absurde des chiens. Non, désolé. Oh non. Oh, il a vu la mort mourir, mais... il a vu la mort arriver, mais... Oh là là. Oh, le pauvre. Oh, je suis rincé. Allez, attends. Oh. Malheureusement, tu as croisé mon chemin. C'est beau ces petites contrées, moi j'aime bien. Hein. En vrai, les petits paysages sont sympas. Putain, je suis en train de faire un AVC en live, en direct. Con comme une huître, il fait un AVC en live. Étrange, impossible à prévoir. C'est des camps, bon ça va ouais. Après il y en a peut-être, on va se les faire en mode, tu vois, t'as capté. En mode un peu baston. Peut-être allier les deux. Oh. Bah mon salaud, toi... Allez, mais je suis pas bon à la buvette. Mais tuer, c'est ma vocation. Il est face à moi ou dehors? Bon, on va même pas avec le rouge. Je vais lui enculer une mioche avec le vin. Harald a la belle chevelure. On va faire ça propre. Voilà. Chut, mes merdes. Oh. Attention, bonhomme. Compliqué parce que si je passe par dessus, l'autre il va me voir là maintenant, je pense. Oh non. Je suis haché. Lève-toi. Oh ben, combat. Allez, dans les côtes. Voilà, viens là que je te finisse, viens là que je te finisse, viens là que je te finisse. Ta mère la pute. Allez. La côtelette. Ah non, là c'était vraiment une belle gorge. Oula. Je fais pas le poids. Je fais pas le poids. On m'appelle le sniper des Ardennes. Tu connais? Oh là là, mais.
une précision, mais... Qui me teste ? Ah, il y a encore du monde. Il y a encore du monde ici. Allez. Tu veux un peu que je te... Que je te finisse en beauté ? Oh, dans, non, dans les glaouettes. Allez, fais-moi la maline là. C'est bon ? On peut me laisser tranquille ? On va récupérer tout ce qu'il y a sur place et après on va mettre nos petites compétences. Petites compétences ? Oh. J'espère qu'il est mort quand même. Je, avec un coup de hache comme ça. Déjà c'est étonnant qu'un être un être humain survive à ça, d'ailleurs n'importe quel être vivant, un coup de hache comme ça, frère. Tu vas rejoindre Morphée. Hein. Ok. Donc là, ça c'est juste. Là, ça c'est juste du coup un indice là, sur. Attends, on a récupéré quoi là? La lance de Léonidas. Attends. Oh non, c'est un truc de loup. Putain, fais chier, mais. Ah ouais, ça, ça mérite quand même bien. Attends. Lorsque au moins quoi? Les détails. Oh. Elle est pas mal hein, celle-là, en vrai. Mais ouais, non. Il faut d'abord que je finisse d'améliorer mon stuff, j'ai ça. Il manque des petites pierres. Oh. Oh le Helheim. On va pouvoir avoir un bateau de l'enfer. Alors c'était quoi que j'étais. Ouais, on est allé chercher ça, non? C'était. Ouais, du coup maintenant faut. Ouais, faut qu'on se dirige vers ça. Hein. Là, on est obligé. Non, on est pas obligé. On va être obligé de remonter hein. Parce que là je vais aller chercher ça mais... Parce qu'il n'y a pas un truc plus important à aller chercher. Peut-être aller chercher ça quand même. Hein. Allez. C'est parti. Ouais, donc elle est là. Qu'est-ce que c'est ça? Immondice. Bon, il y en avait une qui était peut-être du coup. Monte, et bon, s'il te plaît. Non. Pourquoi tu passes. Pourquoi tu t'emmerdes comme ça, Ivor? Quand même. Putain, monte. T'as pute de mer. Et bon. Il y a un espace ici.
que ce soit pas là-dedans, non? Chercher l'entrée d'une mine ou d'une connerie comme ça parce qu'il parlait de ruines, mais remonter. Voilà. Hop. Voilà. Attention les méduses. Descends. On peut y aller en se téléportant. Oui. Ah oui, non, c'est toujours celle-là. Je sais même pas lequel je suis allé faire du coup. Hein. On va aller se faire ça. Bon, au moins c'est c'est des avant-postes, il y a du combat, il y a du conflit, ça au moins c'est pas juste. Allez, mais bon, en vrai comme j'ai dit, moi aller chercher les artefacts pour aller chercher les artefacts, ça me gonfle un peu. On n'est pas là pour ça. Il y a un truc derrière, mais. Je veux dire là, aller chercher l'artefact en soi. Bon, c'est 5 surtout, ils sont disposés à des endroits différents. On n'a pas forcément la téléportation, faut qu'on marche un peu comme des mongols. Je pense que c'est ultra utile. Vous pouvez condenser quoi là. Même la recherche d'artefacts en soi n'était pas forcément utile. Bon après ça, voilà, ça rajoute du gameplay, mais... Des fois... Enfin, moi je préférais que ça soit condensé en cinématique, de belles cinématiques, tu vois, où ça t'explique les choses. Là, ça t'explique peut-être que Cassandra allait à récupérer les artefacts, ou que tu l'as aidé à récupérer les artefacts, mais tu vois que sur des trucs comme ça, là, qui sont un peu... Bon, je trouve sans intérêt, après il y a peut-être des gens qui sont pas d'accord. Enfin, je trouve que c'est sans intérêt. Tu vois, moi j'attends qu'une chose, là, c'est d'aller retrouver Sigurd. C'est la seule chose que j'attends. Un chasseur cherchant sa chienne doit savoir chasser son chien. Oh. Des saignes. Si on me voit, cela se passera mal. Hmm. C'est un Golgoth, ça, non? Non. Ah, si. Ici, c'est un bon Golgoth. Un Golgothus. Elle était parfaite en plus. Elle était parfaite. Voilà. Comment ça touche pas? Je suis dessus. Déjà, c'est un truc aussi, je suis dessus. Hein. Il y a... Mais lui aussi, il a pris. Du coup. Oula. De toute façon, je suis trop rapide. Bah alors, frérot, t'entends pas les choses? Non, mais je voulais. On va te faire enculer, ça c'est vraiment un jeu de merde, par contre. Quel enfer de se faire chier comme ça. Voilà, ta gueule. À un moment donné, comme on dit chez moi.
pas descendre. Putain, j'ai même pas collecté le truc. Bon, il s'agirait de descendre, Ivor, s'il te plaît. T'as une surine, le chien. Voilà. Je t'ai appris un peu la vie, mais. Là, le mouvement était parfait, fluide, limpide, c'est nickel. Mais c'est pas souvent le cas. Alors on va se téléporter, hein, on va pas s'infliger des trucs. Hein. Surtout pas s'infliger des trucs. Allez, avec ma petite armure en plus. L'ange vengeresse. Oh, j'ai pas récupéré les machins, j'ai envie de me couper une couille. Oh, j'ai envie de me couper une couille, ça va avoir respawn. Oh non, moi j'ai juste tué les gens, j'ai oublié ma mission. Oh non. Oh non, la tardée mentale. Edith, te voilà. Veux-tu quelque chose? Je songeais à rentrer en Angleterre. Vraiment? Les miens sont toujours la proie des cauchemars, pourtant. Tu as raison. Je vais rester et mettre fin à ces cauchemars. Allez. On va pousser. On va se faire ça. Je vais juste essayer de pas faire le go. Oh, attends. Mais ouais, mais moi, je suis putain... Je suis attiré par la pas du gain là. Que vois-tu, ma vieille amie? Il y a ça aussi là. Bon, excuse-moi, j'ai pété ta porte pour rien. Par contre. C'est barré. Toi, je te mets un coup. Tu te casses. Je vais pouvoir descendre, mais si. Je peux m'éloigner au final. Ouh, frérot! C'est sous l'eau en plus. Ah non. C'est sur l'île. Ah oui, c'est vrai que c'est sur l'île. Allez. Nage ta mère. Il a belle la tête hors de l'eau, grouillon. En train de se noyer, de suffoquer. Il me tient en train de me dire mes grands morts. Putain, la grosse larve là. Va nager toute seule. Floki? Es-tu là, Floki? Descends.
Grotte du frère. Bon. Allez. Il est temps de savoir se mouvoir dans l'espace. Voilà. Il faut que je jette un coup d'œil. C'est dans le village, c'est ça? Non, pas du tout. Si, si, c'est bien ça. Hein. Ouais, c'est... Putain, on a fait du gain là. Encore et toujours. Je ne suis plus très loin. Attendez, avant, on va résoudre ce mystère. Vous pouvez m'acclamer hein, dans le chat. Dans le chat. Ah ouais. Et j'ai pas trouvé la clé moi. Ah mais moi j'ai pas trouvé la clé moi. Des traces. Quelqu'un qui marchait vite. Comment ça, tabernac? Une clé, là. Attends. Maudit sois-tu. Rentre là-dedans. Ah, voilà. Je le voyais pour la clé. Misère. C'était la fin d'un rêve dans ce puits. Des fois dans ces jeux là t'es tellement omnibulé à regarder autour de toi, à regarder les décors que t'en oublies un peu le même ce que t'en es venu faire. Ah ouais ça... Il a tracé. On a peut-être dû aller en loup. Dèche à mes souhaits. Allez. Va voir, Sinine. Non, les gars, je vous ai vu. Il ne se passera rien. Je suis le meilleur. Vous ne m'avez pas vu. Et voilà, ça collecte. Ouais, mais... Attends, t'avais pas la force de l'ours apparemment, parce que les ours, ils t'ont rincé. Ah ouais. Je vais vous baiser, hein. Sache-le, je vais te baiser. Tabernacle. Voilà, apprends donc mon joie, mon mira. Voilà. Saint-Denis. Voilà. Une bonne chose de faite. Voilà. Une balade dans le loup.
Avec ses petites fleurs sur le côté là. Putain. Ça nous donne envie de repenser à notre jeunesse. D'accord, essaye, il peut sauter. Incompréhensible. Ce loup, il en fait vraiment, il fait vraiment ce qu'il veut quand il veut. Il a son libre arbitre. J'ai bien peur que. Non, ce sera loin derrière. Qui reflète jaune comme ça. C'est pas, hein. Ça reflète jaune, mais on sait pas pourquoi. Je répète quand même que je suis en 2K... En 2K... en full ultra aussi. Oula, ça slalom dur. Putain, le rocher. Ouf. Putain, la maîtrise. La maîtrise des éléments. Où c'est que c'est? Oh. Il va y avoir un sacrifice. Ah ouais, je vais acheter du coffre. Ah bah là, en plein milieu. Ah, c'est un hôtel de sacrifice ici. Ah lui, il s'est sacrifié pour retrouver le Valhalla. J'espère que tu auras trouvé le Valhalla, mon frère. Je vois mon maître. Il est au Valhalla. Calice de Tabernet, il est au Valhalla. Petit peu de fouiller ici. Voilà, pas grand chose. Mais c'est toujours mieux que rien. Viens faire la fête avec nous à Kattegat. Mais alors du coup, parce que j'ai récupéré le coffre, la clé et le coffre, mais ah, putain, je le voyais pas. Pourtant j'ai regardé, hein. Sous la cascade, parce que c'est le truc insane. C'est genre vraiment c'est tout le temps c'est obvious quoi, c'est tout le temps sous les cascades quoi, tout le temps un truc sous une cascade. Fais gaffe, hein. Oui, oui, comme ça. Tu veux bien avoir la gentillesse d'entrer dans la mare aux fées afin que je t'offre en sacrifice. Tu me demandes le droit de me tuer. Depuis que les cauchemars ont commencé, les fées me chuchotent qu'elles me donneront de grands pouvoirs en échange de doux sacrifices. Pour me remercier, elles m'ont même conduite à l'un de leurs trésors, un très bel éclat. Je ne l'aurais plus. Entre dans la mare. Si tu veux que je me mouille, allez, ta gueule. Je vais devoir m'y pousser ouais. Dans l'eau. Viens là. Oh, ça ne me gêne pas. Vieille bique. D'accord, je vais t'aider. Allez, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Encore un petit coup. Voilà. Oula. Voilà.
Hop. 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 Allez, dégage-moi la vie croulante là. Et il a fui le loup carrément. Tu crois qu'il fuit? Bon ben voilà, la croulante c'est fait hein. J'ai envie de te dire. Pas bien compliqué. Et du coup on retourne là où on était parce que je suis un gogol. Voilà. Merci à tous. Et après pitié là, qu'elle nous explique le pourquoi du comment, là Cassandra, qu'elle nous explique les choses, qu'on comprenne le qu'on comprenne bien. Où est-ce qu'elle en est, machin et tout, et puis après, par pitié, qu'on aille retourner voir Sigurd là, parce que qu'on aille buter du Saxon, par pitié. Puis après, qu'on retourne en Norvège aussi, qu'on aille buter du Norvégien aussi. Ça serait un plaisir. Merde, putain. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Ah ouais, je pense que pour ces jeux-là, à l'avenir, je vais m'acheter une manette. Ça sera plus agréable. Je pense pour les déplacements. Parce qu'au clavier, des fois, les déplacements, c'est pas extraordinaire. Je pense manette pour des jeux comme ça, on n'a pas besoin d'avoir. Si on a un peu d'aim assist à la manette sur ces jeux-là, c'est pas grave. Hein. On s'en fout un peu. Oh. Oh le pauvre. Oh, il l'avait pris dans la. Il l'avait pris dans la fesse molle. Oh. Putain, si j'avais pas gogolisé, ça serait déjà fait. Avec ce truc là. J'en avais complètement oublié le but du truc quoi. Ils sont tous morts encore. Ah non, ça j'avais déjà récupéré. Faut que je relise du coup les trucs s'il y a des notes ou quoi, parce que j'ai oublié. Ah oui, bah non, pas besoin. Pas besoin. Nickel. Ah ouais, bah je l'ai vu en plus. Du coup. Sud-est, c'est ça ouais. Il a chier Stark, hein. Faudra que je le change. Hein. Je crois que c'est de là qu'on vient, non? Sud-est. Ouais, c'est ça. Ah, par contre, ça va nous faire de la route. Hein. Voilà. Ici. En plus. Ubisoft. Regardez. Voilà. Ubisoft.
Ah, les jeux ils sont beaux, hein, mais bon. Moi, s'ils sont un poil moins beaux, mais qu'ils sont. Ils sont mieux codés, ça me dérange pas. Vraiment. Même si en vrai ils sortent aussi beaux que ça, mais genre avec 6, 8 mois, 1 an de décalage de la sortie, mais que le jeu il est bien fini, ça me dérange pas du tout. Hein. Même en vrai, je pense même que le jeu sera plus beau du coup, mais. S'ils auront le temps de peaufiner certains trucs, mais bon. Mettez du temps avant de sortir vos jeux, par pitié, mais sortez-les propres. Je peux pas imaginer que tu es une entreprise et que tu livres un produit. J'ai tous les éclats. Pas fini quoi. Allons ouvrir le temple et mettre fin au cauchemar. Et Cassandra qui pensait que j'avais besoin d'elle. Que nini, ouais. Et alors à quel moment j'ai besoin d'elle, frère? Tu m'as bien vu. Je suis Eivor. Du clan du corbeau. J'ai été enfanté mentalement par Ragnar Lodbrok. Bon, bah merde, du coup on va se téléporter là-bas parce que Ragnar Lodbrok. Je suis la fille héritière du trône de Norvège. Appuyez sur V pour utiliser votre corbeau et repérer les entrées secrètes voisines. Ouais. Bon, je sais pas si j'en ai déjà repéré une avec mon corbeau. Parce que avec le corbeau dans le jeu, c'est pas compliqué, tu ne vois rien. Assassin's Creed Odyssey, c'était un Wallach. Tu voyais à travers les murs, tu voyais tout. Alors, vraiment, t'avais pas besoin de chercher. T'avais juste à spammer la zone, enfin. À zioter la zone et tu trouvais, hein. Mais. Oh ouais, vous êtes de retour, hein. Ah, tu es de retour, salope. Voilà. Oh, puis là, c'est du viking en plus. Ouais. Comment ça, tu me surines? Comment ça, tu me surines dans le gras? Allez, l'attaque en piqué, tu connais. Allez. Allez, les aisselles. C'est bien dommage. Ça veut faire les malins, ouais. Ouais, ouais, ben. Bientôt, vous ferez moins les malins. C'est le mec qui. Il s'est pas menacé. Est-ce qu'on irait pas se foutre une ou deux compétences quand même? D'ici là. Bon, du coup, on peut les prendre. Hop, voilà. On va voir en quoi ça consiste et si ça change les trucs. Puis après on ira se chercher l'esquive avec la petite frappe assassin là. Je me souviens même plus comment. J'ai besoin de ta vue, mon ami. Je me souviens même plus comment on descend. C'est par la côte, mais. Ça doit être à peu près par là. Hein. Ce genre là il te montre pas l'entrée enfin, qui est plutôt secrète finalement parce que. Mais là lui là il te la montre pas. Ouais, de mémoire d'homme. Pas sûr en fait. Ouais non, de mémoire d'homme, ouais non. Non. Cassandra, s'il te plaît. Enfin Cassandra, Eivor, s'il te plaît. Monte. Ta mère. Voilà. Oh bah tu vois. Je pensais que c'est même un peu plus loin. Cassandra? Allô? Elle est partie, elle, du coup? À
vouloir se la mettre obligée. Pouvoir améliorer qui aurait pu imaginer un tel lieu sur l'île de Skye. Balance viking. Ouais. On passe pas à côté des bonnes choses. Pourquoi tu butes là sur un caillou? Oh, c'est le genre de truc, ça va pas arriver à tout le monde, mais toi tu butes sur ce caillou là. Et en fait ça te nique un peu l'expérience hein, parce que. Je pense que j'ai des trajectoires qui sont plutôt illogiques en vrai et... Je sais pas. Mais encore. Ça va être sous l'eau que le bas blesse, non? Par contre du coup il y a Cassandra qui est déjà là, mais comment il y a des ennemis qui sont là? Ils sont là depuis les dieux en fait. C'est ça, je comprends pas, c'est moi qui viens de l'ouvrir la porte. Tuer les villageois atteints par la malédiction. Ah non, c'est des villageois là. Ah oui d'accord. Tu me diras, c'est des villageois, hein. Balek, hein. Qui a vu plus beau combat quoi? Clic clac boum tac clac chic chac bouc. Je sais me défendre. Tu n'avais pas besoin de venir. Reconnais-le. Je t'ai manqué. Je vais le dire autrement. Tu n'aurais pas dû venir. Je sais que ma présence complique un peu les choses. Si des gens m'attaquent, c'est à cause de toi. Je sais, je sais. On pourrait peut-être en reparler quand ils seront morts, non? Bon, tu peux le tuer, par contre. Ah, par contre, j'aurais dû t'avouer que ma présence avait activé l'artefact. Pardonne-moi. Et je sais qu'elle complique aussi l'accès à l'artefact. Complique ? Sans toi, personne n'essaierait de me tuer en ce moment. Oui, oui. Mais crois-moi,
Tu auras besoin de moi quand nous aurons atteint l'artefact. Comparé à son pouvoir, ces gens ne sont rien. Donc je vais devoir te supporter, c'est ça? Ce n'est rien. Tu vas t'y faire. Bah ouais. J'ai déjà vu ce genre de mécanisme. Je m'occupe d'allumer la lumière. Toi, dirige les rayons vers les plateaux, près de la porte. J'ai déjà vu ce genre de mécanisme. Oui, ta gueule. Je m'occupe d'allumer la lumière. Toi, dirige les rayons vers les plateaux, près de la porte. Oui, oui. Allez. Bon, allez, mangeur de couilles, là. Enfin, mangeuse de couilles. On va se déplacer. Putain, comment ça, il peut pas grimper ça? Cette pute. Tout pour nous faire chier alors qu'on la voit la prise. Hein. Donc, je peux déplacer ça, je vois. Ça y est, ça s'ouvre. Ah, enfin. C'est simple comme bonjour. Ces peaux et ces armes sont très étranges. Ils viennent de chez moi. Ouais. Et qu'est-ce qu'ils font ici ? C'est une illusion créée par l'artefact. Et par ta présence, je suppose. Ah, ça nous rappelle... Ce masque sort de l'ordinaire. Une belle aventure. J'en ai arraché beaucoup. Ah, c'est le culte de Cosmos. J'ai beau savoir que ce sont des illusions, voir toutes ces choses venant de... Chez toi. Je n'ai plus de chez moi. Et depuis longtemps. Oui, donc c'est bien d'après. Donc pour Ubisoft, c'est Cassandra qu'on était censé jouer, entre guillemets. Ouais. C'est impossible. Foibé. Non, ne me rappelle pas Foibé, s'il te plaît. J'ai assez pleuré de cette histoire. Pour toute une vie. Oh, la pomme. La pomme d'Adam. La pomme d'Eden. C'est mal juste pour ça. Garde-la. Putain. On a failli canoche là-dessus. Le pouvoir d'Eden de la pomme a failli nous transcender. Reconnais-le, nous formons une belle équipe. Ce n'est pas si désagréable de travailler avec toi.
Mais pour ce qui est d'obéir aux ordres... Un peu d'indulgence. C'est la première fois que je travaille avec quelqu'un depuis... très, très longtemps. Tu dois te sentir seule. Parfois, oui, je le reconnais. Mais ma destinée est de suivre ce chemin. Quoi qu'il en soit, je dois repartir. Il n'est jamais bon pour moi de rester au même endroit. Merci pour ton aide. Vraiment. Attends. Les hommes du Nord fêtent leur victoire. Et comme, finalement, tu t'es montré utile, viens donc boire avec moi. Je ne sais pas trop. Je préfère éviter d'être aperçu par trop de gens. S'ils boivent, les gens, personne ne voit jamais rien. Après tout, qu'est-ce que je risque ? Un gros mal de crâne demain matin si on passe un bon moment. On se donne rendez-vous à la maison longue de Kiltara Glen ? Entendu. Oui, bon. Enlève-moi ce regard lubrique de ton visage, s'il te plaît. Eivor, s'il te plaît. Ça, c'est au-dessus, par contre. On est d'accord. Faut sortir de là sans... Oh non, je vais forcément me faire chier. Donc, de toute façon, tu me diras ça, je pourrais retourner plus tard pour aller chercher les ressources. Pareil, je pense que je vais y aller en mode guerrier originel parce que là, l'arme, elle est vraiment sympa, mais elle fait pas assez de dégâts. Enfin, elle fait pas assez de dégâts. Elle est beaucoup trop lente en fait, et au final, du coup, je trouve que c'est. Enfin, ils arrivent beaucoup trop à mettre de coups pendant en fait l'animation de mon attaque. Par contre, quand ça touche, hein, ça fait mal. Mais je me disais, est-ce que je ferais pas, parce que j'ai vu qu'il y avait des compétences où tu pouvais laisser une main libre hein, en fait, est-ce que je ferais pas un truc où, genre, juste j'ai une épée ou un truc dans une main, je crois que j'avais récupéré une lame. Je crois que c'est la. Je sais plus c'était quelle lame que j'avais récupérée, mais. On va aller voir tout de suite. Il y a le fléau aussi en vrai. Enfin l'étoile de fer. Hein. Mais c'était laquelle déjà? Oh, une dague ours. Oh, j'en avais une en fait. Oh. On change tout ça. Je pense que je me tenterai pas un truc à une main, tu vois. Ça demande, j'ai vu. Mais tu vois, du coup. Ouais, mais dague. Dague, ça se joue pas trop à une main, du coup. Quoique, en vrai, pourquoi pas. Pourquoi pas, en vrai. Ouais, tu vois, je vais améliorer celle-là, comme ça, il y aura plus qu'à la passer. À l'état supérieur. Et le fléau peut-être aussi en vrai. Peut-être améliorer ça. C'est 10, 17. Ça faisait 8. Donc la dague est plus lourde que la hache. Tu vas me dire. D'accord. C'est un principe, hein. Mais d'accord. Elle qui était vachement sympa aussi. Hein. Ce sera peut-être à retester une petite hache avec une petite dague là du coup. On verra. Et ouais, mes petites compétences.
Donc là, il faut que j'aille par là-bas. Pas le choix. Donc il faudra qu'on se tape le tour. Ça va s'en barrer, elle m'en les couilles. Ah ça, quoi que ça, ça peut être vraiment bien ça par contre, tu vois. Voilà, juste un peu de santé sur la route. Au Kiltaraglen. Putain, c'est joli. J'ai l'impression de... J'ai l'impression de monter à Kattegat, mais le Kattegat originel. Porteuse d'aigle. Ces mots dépourvus de sens ont sifflé à mes oreilles en rêve. Oh, des cauchemars, qu'est-ce que cela pourrait être d'autre? Bah, c'est elle, la porteuse d'aigle. Allez. Cassandra. Ma belle. Te voilà. Prête pour cette coupe? Ouais, on va picoler un peu là. D'accord, entrons. Qu'y a-t-il? Il y a... beaucoup de monde. Cela fait longtemps que je n'ai pas assisté à une fête. Ça me rend... nerveuse. Ce n'est pas comme si tu y allais seule. Je serai là. Je crois que tu as raison. Allez, entrons. D'accord. Eh bien, me voilà prête à boire. Et toi? On va s'enculer la vie, Alexandra. Oui, Alexandra. Oh là là. Cassandra. Viens là. Petite compétition, je suis nul à chier. Tu risques pas de perdre. La première fois que tu vois de ta vie. Voilà. Merde. Ça allait être imperfect, dommage. Bon, la première fois que j'arrive, c'est contre une qui a jamais picolé de sa vie, donc... ah, c'est pas trop... Oh là, je suis ivre morte. Oh putain. Oh putain, dure soirée. Ça tape au bocal, hein. Oh là. Allez, vite, un siège. Eh bien, tu tiens l'hydromel. Mais si on avait bu du vin, j'aurais gagné. Du vin? Je vais pas te mentir, je suis arraché. C'est pour les enfants. Pas celui du vignoble de Marcos. Ce vin effacerait la peinture d'un vase. Marcos? C'est qui, Marcos? Un vieil ami qui faisait un vin épouvantable. Malaka. Malaka.
Mal à quoi? Tu as vraiment trop bu, toi. On ne comprend pas ce que tu dis. Non. Non, c'est un juron grec. C'est Malaka. 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 Voilà. Très bien. Putain, il force une gogole. À moi de t'apprendre. Malaka, Malaka. Les jeunes époux sont parmi nous. Est-ce qu'on est à un mariage? Tu ne croyais quand même pas que tous ces gens étaient là pour rendre hommage à nos exploits? Allez, viens, qu'on se joigne à leur petite fête. Ah, ça y est, elle a le melon qui a son bras. Ouais. Tiens, t'as l'air de bien danser, toi. Qui es-tu, l'arsouille? Ce n'est pas vous les héroïnes qui ont sauvé l'île et notre mariage? J'en ai fait un peu plus qu'elle. Mais oui, c'est nous. Nous aimerions beaucoup que vous leviez votre coupe à nos épousailles. On vous connaît à peine. Que pourrions-nous dire? Mais vos exploits ont fait de notre mariage un jour inoubliable. Allez, contez-nous vos prouesses. Moi, ça me plairait bien. Et toi, Eivor? Entendu. Allez, hein, écoute. Allez, Cassandra, faisons quelque chose d'intéressant ensemble. Qu'est-ce que tu as en tête? Une joute verbale, évidemment. Ah, je n'ai jamais essayé ça. Mais sache que j'ai débattu avec de très grands philosophes. Cesse les vantardises et montre ce que tu vaux. Oh, ça va se faire une petite joute? Ce jour, étrangement commencé, par un lancer de hache, en vue de me tuer. Et je vis Eivor, téméraire et en furie. Et face à moi, Cassandra, laide comme une truie. Allez, direct. Pas très doué. Direct au foie. Quoi? Comment ça? Je suis pas doué. Je fais direct au foie là. Une cascade et un temple poussiéreux pour que mon talent trouve grâce à ses yeux. Son cœur de nordique, j'ai enfin dégelé. Et dans ton cul, alors que Nenni, je sais que c'est elle que les cauchemars causaient. J'ai pu trouver un dépit de ses grands défauts. J'accepte son amitié. Et en dépit de ses grands défauts, j'accepte son amitié. Franchement, je m'attendais à mieux. Je me suis occupée des Traques et Eivor des Traquenards. Et ensemble, nous avons chassé de Sky les cauchemars. Enfin, aux 12 époux, nous disons en ce jour... Allez vous faire enculer, et ce, avec plein d'amour. Que ce soir, enfin, votre sommeil sera lourd, que tout soit douce et d'un éternel amour. Voilà. Que vos nuits soient douces et d'un éternel amour. C'était éclaté. C'était... quelque chose. Vous devriez peut-être en rester aux exploits et les laisser compter par des scalds. Ouais, enfin, si tu veux qu'on t'apprenne le respect. Que je n'avais pas été au centre de l'attention. Et qu'en penses-tu? Ça me rappelle des souvenirs. Merci de m'avoir invité ici. Ce n'était rien. Si, crois-moi. Merci. J'en avais besoin. Énormément besoin. On peut baiser si tu veux. Non mais par contre, ouais, moi je l'ai trouvé bien ma joute en vrai. Genre, ma joute verbale, je trouvais qu'elle était propre. Voilà. Affronter l'amoureux et conduit. Si on allait aider la jeune mariée à se débarrasser de ce crétin. Tu veux dire de ce Malaka? Ah ouais, ce Malaka, ouais, Malakès. C'est ça,
ça. Allez, coup dans la bouche. Oula. Oula. Troisième Dan. Allez, ça ferme sa gueule un peu. Merci, vous avez sauvé mon mariage. On l'a sauvé ouais, deux fois, ouais. Tu veux dire. C'est bien normal, ma petite dame. Dégage de là, gros tas de merde. Oh. Ça attaque là, hein. On se fait attaquer, hein. Edith, tu es là pour le mariage ? Naturellement, la mariée est ma cousine. Et surtout, je devais te remercier. Tu as réussi à aider mon peuple après tout. Sans quoi, nous ne serions pas là à faire la fête. Je n'étais pas toute seule. On m'a un peu aidée. Certes, certes. Valka t'a mise sur la voie. Mais avait-elle raison, finalement ? As-tu fait tes adieux à cette Ranvi, comme elle en avait fait prédiction ? Non. Ranvi n'est jamais venue sur l'île de Sky. Ah, eh bien, même Valka peut se tromper. Enfin, c'est une bonne chose que tu n'aies pas dû dire adieu à une amie. Bizarre ce moment. Mais ouais, c'était full trompé, hein. Elle a juste vu une meuf avec une tresse, elle en a déduit que c'était Ranvi, mais... Ah ouais, j'ai dormi avec... avec les cochons. Avec... Ah ouais... Avec les bons petits cochons. Putain, tu dois avoir une odeur, Ivor. Quelle nuit inoubliable. Ah ouais. Inoubliable. Je pense qu'on peut se casser hein, d'ici. Oh ouais. On va se barrer de là. Hein. On va aller en Angleterre. Quête, on n'a plus rien à faire ouais, sur l'île de Sky, trouver Sigurd. Monde. Atlas, Angleterre, voilà. Ça vogue, ça navigue. Faudrait que j'aille la voir la Volva là pour lui dire qu'elle pue la merde, voilà, et que c'est juste une droguée qui a. Qui pense voir des trucs mais qui ne voit rien. Ce sont des hallucinations causées par une trop grosse prise de drogue. Mais Cassandra l'avait dit. Hein. Un peu trop de champignons, il va falloir arrêter. Dick. Et il va falloir que j'aille voir le forgeron, ben ça je vais le faire tout seul, hein, mais je vous en fais part quoi. je vous fais un compte rendu. Je vais améliorer ma dague et tout, et puis je vais essayer là, pour la prochaine vidéo d'avoir un stuff qui me convient un peu plus dans le style de combat. On va tester, je vais améliorer je pense une dague et une hache. Bah, la hache de Varine là, je crois qu'on avait dès le début. Puis voilà. Ouais, donc Sigurd il est là-bas. Bon ben voilà, on va se laisser là les gars. Et puis puis on se retrouve pour le prochain épisode pour aller parler à Sigurd. Et puis pour aller se capturer cette nouvelle région là. Donc c'est la
cas. C'est le... Oh oui, c'est imprononçable, Oxenfordshire, là. Le Oxenfordshire, là. Donc voilà, bon, bah, je vous dis ciao les veines, et puis à plus pour le prochain épisode. Allez.